Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud, moi ça va bien, les potos, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'a été demandée par plusieurs abonnés, comment récupérer les masques Krampus pour le personnage masculin et pouvoir faire par la suite des tenues modées pour le personnage féminin. Les potos, faut savoir que si vous réalisez ce glitch, toutes les tenues que vous avez sauvegardées, vous allez les perdre. D'accord? Par contre, tous les vêtements que vous aurez achetés, les véhicules, les appartements, l'argent, vous ne perdrez rien. Seules les tenues que vous aurez composées et sauvegardées, vous les perdrez. Avant de commencer le glitch des poteaux, vous allez prendre l'argent que vous avez dans la poche, vous allez le mettre en banque, sinon cet argent-là, vous allez le perdre, d'accord? Donc, on met l'argent en banque. On va garder sur nous en poche au minimum 1 dollar. On en aura besoin pour le télescope. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre une tenue standard. On va mettre la tenue standard. Les poteaux, pour ce glitch, il va falloir absolument faire partie d'un crew. Donc, on met la tenue standard, puis on fait pavé tactile. On va dans style, modifier l'apparence. On va arriver dans le kiosque du commissariat. Donc une fois dans le kiosque, les amis, on va faire les mêmes manipulations qu'on a fait pour avoir les masques pour le personnage féminin. On va se placer sur vêtements, on va cliquer sur vêtements, puis on va aller sur t-shirt de crew. C'est pour ça qu'il faut absolument faire partie d'un crew pour pouvoir avoir cet onglet. C'est avec cet onglet qu'on va pouvoir se bugger et changer le sexe de notre personnage. Donc là, je suis placé sur l'onglet T-shirt de crew. Je vais faire rapidement. Je vais appuyer sur rond, puis je vais appuyer sur flèche du bas, puis je vais appuyer en même temps sur croix et flèche de gauche. On va faire ça rapidement, les potos. Ok? Donc rond, flèche du bas, puis en même temps sur croix et flèche de gauche. À chaque fois pour faire les manipulations, vous vous mettez sur T-shirt de crew. Vous avez compris les manipulations? On se place sur t-shirt de crew et on fait rapidement rond, puis flèche du bas, puis en même temps sur croix et flèche de gauche. Ça nous change le sexe de notre personnage. Là, je vais sauvegarder. Je sauvegarde, ça va m'envoyer en session. Une fois en session avec mon personnage féminin, je vais me rendre dans un magasin de vêtements. Donc avec le personnage féminin, on se rend dans un magasin de vêtements. On va aller au rayon chaussures. Une fois dans le rayon chaussures, on va aller dans l'onglet bottes caoutchoutées. Une fois dans bottes caoutchoutées, on va prendre les bottes caoutchoutées numéro 49, numéro 50, 51. Et 52. Numéro 49, 50, 51 et 52. Ces paires de bottes nous donneront les masques sur le personnage masculin. Donc là, les poteaux, une fois qu'on a pris les bottes, ce qu'on va faire, on va faire pavé tactile, on va aller dans style, accessoires. Et on va mettre un accessoire, une paire de lunettes, une paire de gants. Une fois qu'on a mis l'accessoire, on va faire touche option. En ligne, on va aller sur l'éditeur. Éditeur. Une fois sur l'éditeur, on va faire touche pause. En ligne, on va aller en session sur invitation. On sera en session sur invitation et là, il y a un message qui va nous proposer de modifier l'apparence de notre personnage. On accepte ce message. Et là, les potos, on va mettre notre perso au masculin. On va faire les mêmes manipulations. On va aller dans vêtements, puis on va se placer sur t-shirt de crew. Et là, on va faire rapidement rond, flèche du bas, puis en même temps sur croix et flèche de gauche.
Ça me change le sexe de mon personnage. Je sauvegarde. Une fois le personnage sauvegardé, ça nous envoie en session. Et là, on va pouvoir constater qu'on a récupéré les masques Krampus sur le personnage masculin. Et à partir de là, on va pouvoir faire des tenues modées pour le personnage féminin. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!